Bonjour les béliers, bienvenue à votre guidance du mois de juin 2022. Je vais commencer par le domaine carrière professionnelle. Ensuite, je vais faire votre domaine sentimental et je vais terminer avec des conseils généraux pour le mois. Alors, pour ceux et celles qui voudront accéder directement à la partie désirée de la vidéo, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Vous pouvez aller sous l'image dans le descriptif, il y a les chapitres en bleu. Vous cliquez sur la minute que vous désirez accéder dans la vidéo. Sinon, dépendant de votre appareil, vous avez aussi des petits blocs d'images avec les chapitres à gauche, à droite ou en dessous, tout dépendant de ce que vous utilisez comme appareil pour vous connecter. Ceci dit, je voulais juste faire une mise en garde qu'il est possible, évidemment, que la guidance ne vous parle pas. C'est sûr qu'en faisant que 12 vidéos par mois, je ne peux pas être directement dans votre situation précisément, mais ça peut quand même vous donner une bonne idée. Alors, je vous demanderais vraiment de faire preuve de discernement. Si vous trouvez que la vidéo ne vous parle pas, soit vous allez voir la vidéo de votre ascendant, ça va peut-être être plus parlant, ou sinon, c'est juste que le message n'était pas pour vous nécessairement. Donc, je vous fais confiance, vous êtes capable de discerner qu'est-ce qui vous convient ou pas. Il y a peut-être des morceaux du message qui vont vous parler davantage, d'autres non. Prenez ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas, ben, stressez pas avec ça. Le tarot, c'est pas une fatalité, ça nous montre un peu dans quelle énergie on s'en va, mais on peut toujours choisir de contourner ça, on peut choisir d'éviter des choses, on peut choisir de changer notre destin. Donc, ce n'est que un petit éclairci sur qu'est-ce que sont les possibilités qui s'en viennent pour vous en juin. Alors voilà, ma petite mise en garde est faite. Maintenant, on va aller faire votre tirage professionnel. Professionnel, ambition ou projet, si jamais vous ne travaillez pas ou que vous êtes à la retraite. On va pouvoir aussi avoir un petit éclairage là-dessus selon votre situation. Oh, bon, j'ai l'impératrice qui a hâte de parler. OK, Bélier, domaine pro, juin 2022, c'est parti. Et voilà. Oh wow! On commence fort, là. On commence avec une étoile. L'étoile, c'est une des plus belles cartes du tarot. Ça représente l'accès, enfin, à vos espoirs, à vos rêves, à quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps et qui se manifeste enfin dans la réalité. C'est comme si toutes les portes du bonheur étaient en train de s'ouvrir pour vous. Et ça, là, c'est comme dans votre domaine professionnel. Donc, vous êtes vraiment comme, il y a une bonne étoile au-dessus de vous, vous réalisez enfin un souhait ou vous réalisez un projet ou vous accédez aussi. Ça peut être une carte qui parle de célébrité et de popularité. En ce qui concerne, disons, je ne sais pas moi, les artistes ou les auteurs ou des gens, en tout cas, qui ont besoin de briller sur une scène ou de briller aux yeux du public, c'est aussi une carte d'accomplissement à ce niveau-là. Si vous attendiez une réponse, c'est une réponse positive, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment une super belle carte. Et ce que ça veut dire, c'est que tout ce que je vais vous dire dans ce tirage-là, qui pourrait être un peu négatif, va flipper de l'autre côté parce que c'est une carte antidote aussi. Ça va devenir positif, en fait. Donc, vous voyez ici, j'ai une carte qui est là, qui est à l'envers. Habituellement, je l'interpréterais dans son sens, pas nécessairement négatif à 100%, mais en tout cas avec des retenues ou des blocages ou des choses comme ça. Mais là, je vais la flipper de côté parce qu'on a l'étoile qui est là, OK? Donc ça, c'est vous, vous flottez dans le bonheur et tout ça. Du point de vue extérieur, on a une personne ou sinon c'est un ensemble de personnes, qui sont dans une énergie de réfléchir à des stratégies. Donc, peut-être qu'on est en train de réfléchir pour vous à des stratégies pour vous aider justement sur ce chemin-là du succès, etc. Donc, on y reviendra à cette carte-là, mais ça, c'est une carte vraiment de quelqu'un qui est plus dans l'ombre, qui est comme votre bras droit, qui pense à la vision à long terme. Ça peut être un gérant, ça peut être un bras droit, quelqu'un qui est là pour vous conseiller, etc. Donc, ça, c'est quelqu'un ici qui est un peu plus discret et qui vous accompagne dans cette émancipation-là. Et je vous dis, il y a vraiment quelque chose qui se réalise parce que vous avez la carte de la justice ici en troisième position. Ça nous indique dans quelle énergie on arrive dans le mois de juin par rapport à votre vie professionnelle. Et la justice indique un retour de l'équilibre ou une signature de contrat ou une réponse positive par rapport à une demande qu'on a faite, un engagement professionnel, une acceptation à quelque part.
C'est vraiment, c'est très, très positif comme tirage ici. Et on a cette impératrice-là qui est en dernière position, qui nous parle de facilité à communiquer, d'organisation, de faire plusieurs choses en même temps. Donc, vous avez vraiment un excellent tirage professionnel. C'est un beau tirage de joie, d'expansion et d'accomplissement. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est super positif. Votre tirage, vous allez avoir des étoiles dans les yeux ce mois-ci. OK? Donc, pour ceux qui ne sont pas au travail, bien évidemment, adaptez-le. Ça peut être une réponse par rapport à être accepté dans une école. Ça peut être une réponse positive par rapport à un projet que vous vouliez faire à la retraite, des choses comme ça. Donc, adaptez-le à votre situation si c'est possible. Allez chercher plus, un petit peu plus de détails par rapport à tout ça, évidemment. Qui dit accomplissement de rêve dit aussi que ça vient avec des grandes responsabilités. Donc là, oui, il y a toute l'effervescence, il y a le bonheur et tout ça, mais vous vous rendez compte que là, vous allez avoir une responsabilité, soit par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Okay? Je vois aussi que vous n'allez pas travailler seul dans cette nouveauté-là ou dans cette réalisation-là. Je vous vois en collaboration avec possiblement deux autres personnes ou plus. Donc, c'est comme si c'était un travail d'équipe où vous êtes plusieurs à avoir reçu ces hommages-là ou cette réponse-là et vous allez devoir travailler ensemble en groupe. Ça va vous immobiliser, ce projet-là. J'ai la carte ici qui a l'air un peu sombre, mais cette carte-là nous dit, bon, on est abouti, on est arrivé à quelque chose et là, il va falloir s'immobiliser et travailler fort. Donc, vous avez tout le côté féerique et espoir réalisé, tout ça, mais ça vient vraiment avec une responsabilité aussi et le fait qu'il y a quelque chose d'une façon d'être ou d'une façon de vivre qui se termine et une autre façon qui commence. C'est comme si vous laissiez partir votre vieille peau, là, comme un serpent qui fait une mue ou un papillon, une chenille qui se transforme en papillon. Vous laissez de côté votre vieille carcasse et vous repartez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus satisfaisant, disons. Cette responsabilité-là, vous allez la partager avec d'autres personnes. Donc, peut-être que vous allez un petit peu angoisser à cause de ça, mais ça dit vraiment, vous n'avez pas de raison à vous en faire parce que votre bonne étoile, elle vous guide, elle vous suit et vous êtes protégé. Maintenant, pour la carte de la papesse, cette personne-là qui vous entoure ou ces personnes qui vous entourent, cette équipe-là qui est avec vous. OK. Ce sont des gens ou c'est une personne, parce que ça peut être une ou plusieurs personnes, cette énergie-là, qui va vous aider vraiment à faire des choix, à prendre les décisions qu'il faut. C'est comme si vous êtes plus du côté créatif, plus du côté artistique et tout. Et là, vous avez un paquet d'idées et tout ça, et vous vous émancipez, mais ça prend quelqu'un un peu plus rationnel qui vous aide à prendre les bonnes décisions. Donc, vous avez cette personne-là qui est autour de vous, qui va vous aider à prendre des actions dans des nouvelles avenues. Ça va vous aider aussi à canaliser vos efforts ici. J'ai quelque chose par rapport aux efforts aussi qu'on aide avec ça. Donc, c'est comme vraiment, on dirait que vous avez une bonne marraine ou un gérant autour de vous qui vous aide dans vos décisions et dans votre chemin qui semble, c'est comme vraiment, comme un grand rêve qui s'accomplit. Donc, vous allez avoir besoin de quelqu'un un petit peu plus rationnel qui vous guide, OK? Donc, c'est ce que je vois ici dans votre entourage, prise de décision, dans quelle avenue mettre nos efforts et tout. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu désancré ce mois-ci parce que c'est trop nouveau et tout ça. Vous allez être plus dans une énergie d'exubérance, là. Vous êtes plus dans le mode festif et exprimer au grand jour cette belle réussite-là. Vous n'êtes pas trop groundé, là. C'est ce que ça me dit. Donc, mais c'est correct. Il faut prendre le temps de célébrer ce bel accomplissement-là. Je vais sortir une dernière carte. Ici, par rapport à votre mission de vie professionnelle. Si on a quelque chose à rajouter ici. Projet de cœur. Donc, ce projet-là qui est en train de vraiment vous rendre super heureux, évidemment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On n'est pas dans une idée rationnelle et cartésienne et tout ça. Il y a peut-être un peu de ça, mais
C'est vraiment connecté sur votre cœur, cette réalisation-là. Donc, ça vient chercher vraiment vos rêves et vos espoirs. Donc, ça vient encore confirmer tout ça. C'est un projet auquel vous avez mis beaucoup d'énergie. Tout ça qui se réalise enfin. Donc, j'ai pas rien à rajouter par-dessus votre tirage pro. C'est vraiment un super beau tirage. Félicitations. Bravo. Maintenant, on va aller voir nos béliers qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. On va aller voir si c'est aussi joyeux dans cette zone-là de votre vie. Est-ce que vous allez rencontrer l'âme sœur? Est-ce qu'il y a un retour d'un ex? Est-ce qu'on a des surprises? Est-ce que ça reste au beau fixe? C'est ce qu'on va voir dans ce tirage pour juin 2022, nos béliers célibataires. OK. OK. Je vais juste sortir d'autres cartes. Mais en gros, ce que je vois, c'est vous avez quelqu'un, en tout cas, si vous n'êtes pas encore en couple, il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui vous observe ou qui essaie de vous aider présentement. Je vois quelqu'un qui serait comme plus comme un bon ami ou quelqu'un de très bienveillant qui veut votre bien, tout ça. C'est peut-être pas encore de l'amour, mais ça va peut-être se développer ce mois-ci. C'est quelqu'un qui vous aide à ramener l'équilibre dans votre vie. C'est probablement quelqu'un aussi qui a un petit peu plus de maturité, donc soit en âge ou soit vraiment dans le tempérament. Je vois vraiment quelqu'un qui veut votre protection et tout ça et qui a pas... c'est quelqu'un dans la bienveillance, c'est quelqu'un qui est dans son cœur. C'est pas quelqu'un qui veut profiter de vous. Donc, si ça vous dit rien pour l'instant, ça veut dire que cette personne-là s'en vient en juin pour vous. Et vous n'êtes pas facile à apprivoiser, juste vous dire ça, là, parce que votre carte ici, la carte de la force, quand elle est renversée, c'est quand on est... c'est difficile d'accéder à nous, c'est difficile de nous parler. Je pense que vous impressionnez en général les gens et on a peur d'aller vers vous, on a peur de se faire revirer, on a peur de ne pas être assez à la hauteur pour vous, etc. Donc, il y a ça qui bloque un peu le fait qu'on aille vers vous. Mais sinon, il y a quand même quelqu'un dans votre entourage. Donc, je vais juste voir si je peux avoir un petit peu plus de détails par rapport à ça. Ça me dit aussi que vous avez réglé une situation relationnelle dans le mois de mai. Donc, peut-être que vous avez mis fin à quelque chose ou que vous avez mis les cartes sur table une bonne fois pour toutes avec quelqu'un et que là, ça s'est réglé. Ça me dit que c'est fini, c'est passé, tout est beau. L'équilibre revient, mais vous êtes dur à approcher et dur à apprivoiser. Probablement que vous ne voyez même pas cette personne parce que vous êtes... c'est ça, vous rayonnez tellement que vous impressionnez les gens. OK? Donc, il y a ça. OK. Ça me parle aussi que vous êtes un peu maladroit ou maladroite au niveau sentimental. Vous ne savez pas trop non plus comment faire pour... C'est comme si la game du dating, ça vous était complètement... Vous comprenez rien dans ça. Vous n'êtes pas à l'aise avec les débuts de relation. C'est ce que ça me dit. Vous êtes très lucide aussi. Vous dites, bon, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je veux pas. Mais vous n'êtes pas nécessairement dans un mood où vous avez envie de vous laisser aller au niveau sentimental. Parce que l'autre personne va réussir à vous conquérir. C'est ce qu'on va voir. Oui, c'est ça. Vous êtes comme pas à l'aise avec les débuts de relation, on dirait. L'autre personne a vraiment envie d'investir du temps, mais c'est ça. C'est pas comment faire. C'est pas comment s'y prendre. C'est pas si... Je pense que l'autre personne hésite aussi à s'approcher de vous parce qu'elle a peur de pas être à la hauteur au niveau du rang social, si on veut, parce que j'ai beaucoup de pièces d'or ici. Ça parle vraiment du côté matériel. Il y a comme une comparaison avec vous, avec votre beat de vie, etc. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, soit que l'autre personne et vous n'avez pas du tout le même niveau de vie et que ça vient créer peut-être un petit gap, un petit blocage entre vous deux. Je vois pas beaucoup de cartes d'amour, donc cette personne-là qui arrive ou qui est peut-être déjà là,
ça va prendre du temps avant que ça aboutisse au niveau relationnel, OK? Puis, c'est quelqu'un aussi qui est en train d'apprendre à gérer son quotidien. Donc, peut-être quelqu'un qui est en transition, justement, avec une autre situation aussi du passé. Donc, vous arrivez un peu comme... Vous réglez vos choses du passé, puis là, vous êtes comme présentés l'un à l'autre, mais il n'y a pas de... Ça va pas aller directement dans « Hey, je suis intéressée pour plus ». Là, ça va être comme « Ah, oh, on s'entend bien ensemble, on est amis, c'est cool, on fait des activités, j'ai pas d'attente, t'as pas d'attente, on est juste amis, etc. » Et après ça, il y aura peut-être des liens qui vont se bâtir, mais au début, ça sera pas un coup de foudre ou ça sera pas prévu, disons, sur un site de rencontre ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je ne vous vois pas être en train de chercher présentement sur les sites de rencontre. J'ai pas cette carte-là qui est là. Absolument, j'ai une carte précise qui parle de ça, mais elle est pas là. Je pense que vous êtes davantage axé sur vos projets professionnels en passant, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes qui parlent du domaine matériel, du domaine concret. Je pense que vous allez quand même rencontrer des gens, vous allez discuter probablement avec cette personne-là ce mois-ci, mais vous allez rester focus sur votre carrière, sur vos ambitions et tout ça, ce qui fait que vous demeurez un peu dans la déception ce mois-ci au niveau sentimental. Je vais voir si j'aurai pas autre chose qui vient directement des anges de l'amour par rapport à votre tirage. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Est-ce qu'il manque un morceau, là, quelque part? Chimie. OK. Bon, voyez ici, eux, les anges de l'amour, disent que nous, on pense qu'il va y avoir un magnétisme entre vous deux. Vous allez vous reconnaître quand même. Donc, ça ne sera pas juste un ami, comme moi j'ai vu. Ça ne sera pas juste qu'on n'a pas de prédisposition et tout ça, qu'il n'y a rien du tout qui se passe. Il va y avoir quand même quelque chose qui va vous attirer l'un vers l'autre. OK? Donc, il y a un magnétisme qui est là. Il y a une chimie, mais on dirait que c'est pas ce mois-ci qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau concret par rapport à cette relation-là. Je vais aller voir aussi, pour que vous reconnaissiez cette personne, je vais aller voir dans quelle énergie flotte cette personne au niveau peut-être professionnel ou mission de vie. De qui il s'agit? Quel type de personne? OK. Cette carte-là, ça peut parler du signe astrologique du scorpion. Donc, quelqu'un qui a un très grand magnétisme, justement, qui a les yeux perçants, qui a beaucoup de charisme, qui attire les gens par son énergie, tout ça. Quelqu'un de très profond, de très mystérieux aussi. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui travaille dans un endroit où il faut mettre de l'ordre. Donc, ça peut être soit dans l'entretien... Ça peut être aussi tout ce qui touche à tout ce qui est domaine, tout ce qui touche au domaine de la mort aussi, donc soins palliatifs, centres funéraires, thanatologues, embaumement, ce genre de personnes-là. Donc, c'est soit ces deux domaines très, très différents, mais ça peut être soit tout ce qui est en lien avec les décès et la mort, ou ce qui est en lien avec entretien. Donc, ça peut être entretien ménager, ça peut être concierge dans une usine ou dans une école ou quelque chose comme ça. C'est soit un endroit où on fait le ménage ou soit un endroit où il y a la mort ou la métamorphose, en tout cas de façon assez radicale. Donc, en tout cas, ça serait à peu près dans ces domaines-là que se trouverait cette personne. Donc, c'est ce que je vois dans votre tirage pour les célibataires. Gardez l'œil ouvert, gardez l'œil ouvert. C'est pas ce mois-ci que vous allez vous marier, mais il y a quelqu'un, en tout cas définitivement, qui va être attiré par vous. Et le magnétisme, ça se peut qu'il se passe juste de son côté à lui ou à elle, cette personne, et que vous êtes tellement dans votre bulle que vous ne sentez pas, mais ça va finir par grandir. Donc, lentement, mais sûrement. Cette personne-là n'a pas l'air pressée de toute façon. C'est quelqu'un de mature qui est prêt à attendre et investir. OK, maintenant... On va aller voir les béliers qui sont déjà en couple. On va aller voir comment évolue votre relation. On va aller voir si c'est au beau fixe, s'il y a des avertissements, s'il y a des surprises. Donc, les béliers en couple pour juin 2022. Couple. Wow, vous avez vraiment des belles cartes, OK? Ce que ça dit, là,
C'est que vous avez surmonté des épreuves dernièrement. Ça, c'est la roue de fortune. Ça parle de cycles de haut et de bas, des coups du destin et tout ça. Ça n'a pas été facile dernièrement, mais là, il y a comme une espèce de renaissance présentement dans votre couple. Ça, c'est ce que la carte du jugement dit. C'est vraiment, on revient des morts, là, si on veut. On a une résurrection. Et en plus, les lovers, les amoureux, ça, c'est une carte vraiment d'engagement affectif. Vous voulez vraiment vous engager à un niveau supérieur, vous voulez renaître et tout ça. Ça se termine avec un beau soleil. Le soleil, c'est toujours positif. C'est une carte d'amour, de symbiose, de partenariat et tout ça. Donc, je suis vraiment, vraiment zéro inquiète pour votre couple ce mois-ci. Vous êtes vraiment en amour, là, c'est clair. Puis, si vous n'étiez pas encore un couple, bien, ça va se statuer ce mois-ci parce que j'ai l'engagement qui est là avec le soleil et en plus le jugement, c'est comme on annonce au grand jour quelque chose. Donc, il y a ça. Si vous êtes déjà un couple depuis longtemps, c'est peut-être que là, vous allez décider d'aller à un niveau supérieur d'engagement comme vous fiancer, vous marier, vous acheter une maison ou faire des enfants. Donc, on est dans cette énergie-là pour le mois de juin 2022. On va bien sûr aller chercher un petit peu plus de définition dans tout ça. Je vais aller voir vos épreuves ici. Qu'est-ce qui s'est terminé? OK. Je pense qu'il y a un groupe d'amis qui vous a déçu. C'est drôle que je vois ça, mais je vois un trio d'amis. Je vois une coupure avec ces personnes-là et je vois de la déception. Donc, il y a comme... Il y a au moins deux ou trois personnes dans votre entourage qui n'étaient pas positifs pour vous, pour votre couple, et vous avez décidé de couper. Donc, ça me parle de cette épreuve-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste eu ça, mais on dirait que c'est dans votre empreinte énergétique amoureuse. Donc, c'est comme si ça influençait votre couple, en fait. Vous avez dû mettre fin peut-être à des relations amicales qui n'étaient pas positives. Donc, il y a de ça que ça me parle. Ça peut être aussi d'avoir quitté un emploi ou d'avoir quitté un lieu de résidence, d'être parti, d'avoir dû quitter des amis ou des gens avec qui on était proches. Donc, ça tourne autour de ça, les épreuves les plus récentes que j'ai dans votre énergie par rapport à votre couple. Ensuite de ça, peut-être aussi que je viens d'avoir un flash. Le fait que vous soyez ensemble, ça aurait pu blesser quelqu'un qui était peut-être amoureux ou amoureuse d'un ou de l'autre des partenaires, de vous ou de votre partenaire. Et il y a eu un choix qui s'est fait et on vous a choisi vous ou vous avez choisi votre partenaire. Et là, ça a fait de la peine à quelqu'un et vous avez dû comme couper les ponts ou quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, si ça vous parle, vous me donnerez vos impressions dans les commentaires. J'aime bien vous lire d'ailleurs. C'est toujours un plaisir. Je ne réponds pas toujours, mais je lis toujours vos commentaires. OK, et là, c'est comme si vous aviez statué quelque chose, vous avez dit, moi, je m'engage vraiment avec toi, mon choix est fait et tout ça, et là, on guérit ces blessures-là et tout ça, et on s'en va vers le bonheur. Donc, ça, c'est vraiment de votre côté ici. Et du côté du partenaire ici. OK. Ça me parle qu'on a envie de partir en douce avec vous à quelque part, probablement faire un petit voyage, puis comme laisser tout de côté, puis partir. Il y a comme un désir de fuir les responsabilités et de partir vers autre chose. On a envie de dépenser de l'argent, on a envie de se gâter, on a envie d'être heureux, tout ça. Et là, c'est ce que je vois du côté de votre partenaire. Il y a vraiment une envie de fuir les responsabilités, être juste vous deux dans votre petit cocon, là. Donc, c'est vraiment... C'est comme si vous avez envie de partir en lune de miel, si on veut. Pour vous reposer aussi, ça peut être une bonne idée de faire ce voyage-là ici. On n'a pas envie d'avoir des responsabilités, on n'a pas envie de réfléchir, on a juste envie d'être en couple et d'être heureux. Donc ça, c'est vraiment c'est votre vibration ce mois-ci. Il n'y a pas grand-chose de négatif à vous dire du tout dans votre tirage. Même si cette carte-là, pour ceux qui connaissent le tarot, souvent c'est quelque chose de négatif. J'ai un soleil qui est là, donc ça vient comme enlever tout le côté négatif de cette carte. Je peux quand même vous donner un peu sa définition. C'est un voleur qui part et qui va bientôt se faire coincer parce que il a pas été assez wise là, pour attendre jusqu'à la tombée de la nuit pour voler ces épées-là.
Donc ça, habituellement, ça sort quand quelqu'un fait quelque chose de caché, là. Donc, habituellement, c'est assez négatif comme carte. Mais comme le soleil est là, moi, j'ai l'impression que ce petit voleur-là, il a juste envie de fuir pour aller avec vous, juste vous deux, dans un petit cocon. On va aller voir ce que les anges de l'amour ont rajouté là-dessus, voir si je suis à la bonne place ou pas. Ben, c'est positif. Donnez une chance à votre relation. Si ça n'allait pas bien, en tout cas, vous allez vraiment prendre ce moment-là pour redonner une chance à votre relation. Donc, franchement, là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'avertissement. Tout est assez positif dans votre tirage. Maintenant, j'ai fait les tirages. Je vais finir avec le conseil général du mois. Ça va être une carte de guidance spirituelle. C'est des petits conseils pour vous aider à évoluer, des petites pensées philosophiques. Alors, est-ce qu'on a un message? On dirait bien que oui, parce que la carte, elle a voulu tomber tout seul. C'est la carte de l'énergie. L'énergie est disponible pour tous ceux qui la désirent. Il suffit de nous concentrer et de la voir en nous. Donc, l'énergie, elle est là. Il faut juste la manifester. Donc, c'est vraiment un message assez court pour vous, mais ça dit que si vous manquez d'énergie, sachez que l'énergie, elle est à l'intérieur de vous et tout ce que vous avez à faire pour la manifester, c'est de dire, de mentionner que vous voulez utiliser cette énergie-là et ça va monter. Vous allez être capable de manifester ça dans la matière. Si vous avez un petit coup de barre, là, c'est ce que ça dit. Et ça me dit soldat de lumière aussi. Présentement, dans votre mission de vie, vous êtes comme un petit soldat de lumière. Vous êtes là pour amener de la lumière dans des situations où les gens sont en détresse, disons. Donc, en plus, c'est le mois de juin ici qui est associé à cette carte-là. Donc, comme ça va très bien de votre côté, vous allez rayonner votre lumière sur les autres autour et ça va leur faire du bien. Donc, vous êtes vraiment dans une belle, belle, belle vibration pour le mois de juin. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous pour le mois de juin. Ce sont vos guidances. Si vous avez aimé ça serait gentil si vous voulez me laisser un petit j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a le bouton pour s'abonner sur la page principale, subscribe ou abonner. Et comme ça, vous allez pouvoir recevoir, si vous le désirez, le mois prochain, votre prochaine guidance gratuite. C'est toujours gratuit, évidemment, et j'en publie une par mois par signe astrologique, donc 12 vidéos. Entre 20 et 30 minutes, tout dépendant des messages que j'ai pour vous. Donc, sur ça, je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que ça va aller bien pour vous, les béliers. Je suis certaine, en tout cas, avec tout ce que j'ai vu de positif dans votre tirage, c'est vraiment un beau, beau, beau tirage. Et je vous dis peut-être à la prochaine pour votre prochaine guidance le mois prochain. Donc, à bientôt et faites attention à vous. Ciao!